there at all. But you were to me just like a Sunday breeze. Now I can love you anymore. Salut à tous! Hello! Aujourd'hui c'est le grand jour, c'est Caligas. Oh, excusez-moi, je suis essoufflé! Parce que Charlotte, elle a dit que Théo il courait plus vite que moi. C'est pas vrai. J'ai gagné ou pas? Oui, t'as j'ai gagné deux fois. Peut-être qu'après tu courras plus vite, mais pour l'instant non. Ouais, quand tu seras plus vieux. Non, quand toi tu seras plus grand. Bon, on attend. Rendez-vous entre 8h. Entre 9h et 11h. Il est 11h moins 5. Il n'est toujours pas là. Et franchement, ça nous gave d'attendre. C'est chiant d'attendre. Ça nous bloque parce qu'on a plein de trucs à faire. Ouais. Et il faut qu'on aille au magasin acheter du matériel et tout ça. Et franchement, des matériaux, pardon. Et franchement, c'est énervant d'attendre. Ouais, c'est galère. Donc, bon, on attend. Et puis, on vous tient au courant tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, et bien voilà, monsieur est venu. Il a contrôlé la gazinière. Il a contrôlé les issues de secours. Il a vu qu'on en avait mis partout. Ici, derrière la gazinière, il y en a dans la salle de bain. Il y en a une dans les toilettes. Il y a même une issue de secours dans notre chambre. Il y a les lanterneaux qui servent encore d'issue de secours. Donc il a contrôlé tout ça, la hauteur. Il a contrôlé le détendeur, que ce soit bien 30 millibars. Voilà, bah, honnêtement, quand il a vu le car, en fait, il a dit... il n'y a rien à dire, quoi. C'est nickel, c'est impeccable. Donc voilà, on est content. Allez, il vient avec son ordi, il nous fait le petit papier. C'est nickel. Alors chouchou, contente? Ouais. Explique-nous un peu ce contrôle Caligaz. Eh bien ça s'est super bien passé. Bon forcément on a eu un petit peu de stress, hein. Mais franchement ça s'est super bien passé. Il a vérifié les issues de secours, le gaz, tout était bien en rigide. Le coffret gaz, les aérations hautes et basses, tout ce qu'il devait contrôler. Il a dit que tout était nickel. Ça a été vraiment rapide au final. Franchement, ça a été rapide. Il a dit, j'ai pas grand chose à dire. Ouais, c'est donc, ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. Donc franchement, tout était nickel, quoi. Donc même les aérations, ouais, il a tout contrôlé, hein, vraiment. T'es contente alors? Je suis trop contente. Un peu stressée parce qu'il n'arrivait pas, il arrivait en retard. Il arrivait 5 minutes en avance. Ouais, c'était entre 9h et 11h, il arrivait à 11h moins 5. Alors, prochaine étape? Prochaine étape, l'Adréal. On va déposer le dossier demain. Et normalement, on espère, si on arrive à avoir le contrôle technique en même temps, fin du mois, voire début septembre, avoir le dossier. Et après, plus qu'à attendre les dérogations pour pouvoir rouler. Et là, tu fais ton rôle de femme? Tu fais à manger, j'ai c'est fait ça mon rôle de femme, j'ai été étendre mon linge, j'ai fait à manger. C'est bien ça. J'ai été faire le lit de mes enfants. Et nous, on fait quoi pendant ce temps-là? Rien. Je dirais, vous êtes en train de boire une bière, mais non, vous ne faites rien. Vous êtes assis sur le canapé, vous ne faites rien. Vaut mieux rien faire que de rien faire et boire une bière. Non? Ouais, peut-être. Tu feras la vaisselle, c'est pas grave. C'est ça. Action. On se retrouve ici, les bandits? Du coup, c'était une après-midi, enfin c'est une journée où j'ai envie de rien faire. Du coup, comme Jeff, en fait. Hein? Non, j'ai fait plein de choses. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de brancher j'ai reçu mes tuyaux, mes raccords, je vais essayer de brancher mon compresseur sur mes portes pour les faire fonctionner sans démarrer le moteur. Et là, faut que je coupe un tuyau. Ça fait chier, mais bon, j'ai pas le choix. Donc on va aller couper ça. On y va? On coupe? On coupe. C'est du 6. Du 6. Là, on va essayer avec un T. Ouais. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ah, tu peux faire voir ma petite planche que je me suis fait. Regardez. Elle est pas belle, la vie. Bon, j'avoue, il ne faut pas avoir de ventre. Hein, sinon, le ventre, il bloque ici. J'ai tous mes petits raccords, regarde. Le tuyau, ça c'est pour si jamais on a des pannes. Hein. Des petits bouts de raccords, j'ai un clapet en tire-tour, j'ai pris vraiment de tout et c'était pas très cher. J'ai fait ça sur Amazon. J'ai des gros, vous voyez, j'ai des petits, donc si jamais je me trompe, tant pis, je mets un petit raccord comme ça et puis ça sera réparé, quoi. Regardez qui c'est qui arrive.
never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Eh bien, écoutez, il faut dire que c'est une réussite. Hein, on a mis pas longtemps. Et en fait, voilà, donc on a le compresseur qui est ici. Avec le tuyau, on a fait ça à l'arrache. Hein. C'est relié là-bas avec un T. Voilà, il s'est arrêté. On est monté à 6 barres, mais en fait, on peut monter à 8. C'est pas 4 barres dans les portes. Hein. C'est bien plus. Parce que là, la porte, on voit bien, elle est toute molle. Et quand je démarre avec le moteur, elle est bien plus rapide. Voilà, donc tout fonctionne. On va passer le tuyau sous le bus et on va se récupérer là-bas dans une soute. Et on aura ce petit compresseur silencieux qui s'allumera. Hein, on a ouvert quoi, une dizaine de fois, et puis c'est remis en route. Ouais, facile. Ouais. Hein. Donc franchement, c'est cool. Moi, 10 fois, si je peux ouvrir la porte 10 fois et qu'il se remet en route une minute, franchement, c'est génial. Et du coup, maintenant, j'ai un petit souci. J'ai ce moteur-là qui grince. Alors, s'il y en a un d'entre vous qui sait me dire comment faire pour graisser ce petit moteur, est-ce qu'il faut le démonter? J'ai pas envie de le démonter, parce que je pense que ça doit être assez complexe à l'intérieur. C'est un moteur à air comprimé. Ou alors, est-ce qu'il y a une technique à faire pour pouvoir le graisser? Parce qu'en fait, ça grince. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Écoutez le bruit. Vous voyez? Hop. Vous voyez comment ça grince? Et quand j'ouvre, ça fait pareil. Regardez, écoutez. C'est pas joli, joli à entendre comme bruit. Hein. Donc voilà, si vous avez une astuce pour graisser ce petit moteur, n'hésitez pas, on a essayé de graisser... On a réussi à graisser le tube et tout, mais j'ai pas envie de démonter. Ça, j'ai pas envie de démonter. Parce que moi, je me connais, si je le démonte, ça va m'énerver. Je vais le casser. Hein. Ah ouais. Donc, bah voilà, n'hésitez pas. Ok ? Allez, à tout à l'heure. C'est l'après-midi à rien faire, on a mis la musique, on a joué avec les enfants, avec les amis.
amis. J'avoue, il y a plus on a de dansé, on tout, a ouais. mangé. Voilà, Déborah nous a fait des petites crêpes. Pascal elle nous a fait des crêpes au goûter. Déborah nous a fait des crêpes au dîner. Ta mère nous a fait avec pizza. Du chèvre. Ma mère nous a... Voilà, on a fait ça jusqu'à au moins 10 heures du soir avec la musique à fond. C'était vraiment marrant. Voilà, on a vraiment, je sais pas, déstressé. J'avais envie de rien faire. Hein. Jeff, il me regardait. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Je crois que j'ai envie de rien faire aujourd'hui. J'ai bien vu. Et on a pris du bon temps. C'était canon. Voilà. Non, mais aujourd'hui, les gars, ils prennent la relève. Ils vont nous faire nos fabriquer. Ils commencent à nous fabriquer les meubles hauts. Jérémy m'a donné toutes les petites consignes hier. Comme un maître de. Il a donné toutes les petites consignes comme hier. Comme un chef de chantier. J'ai mal au bras. Là, il est 10h15. On sort de la Dréal. C'est bon. Dossier déposé. On a bien travaillé. C'est génial. Oh, Jérémy. Et. On s'est pas gouré. On s'est pas trompé. Sur la répartition c'est des charges. C'est trop bien, on est trop c'est contents. Nickel. Et franchement, quel soulagement. Donc ouais, là, attends, y a rien de fait, mais bon. Donc là, si nous a fait peur pour les ceintures de sécurité. Ouais, parce que c'est pas les mêmes normes, il y a des dérogations, c'est pas les mêmes essais. C'est pas les mêmes normes les en essais. Transport en commun, les mêmes essais en transport en commun qu'en camping-car. Voilà. Donc il a peur pour les ceintures passagers, mais nous on n'a aucun doute parce que il y a les points d'ancrage, ceci, cela. Tout, c'est bon, ça va passer. On est sûr que ça va passer. Ça va passer. Là, ça se concrétise. Nous avons rendez-vous le 10 septembre. Donc, j'ai pris rendez-vous au contrôle technique à côté. On a rendez-vous le 10 septembre à 7h30. À 7h30 En sachant qu'on a une heure de route. Donc, avec le bus, on va compter une heure et demie. À peu près. Une heure et quart. Moi, je vois 240. Moi, je suis un dingue. Je te raconte pas. Donc, 7h30 le 10 septembre au contrôle technique et 8h15 à l'Adréal tout de suite après. Donc, le 10, voilà. On est trop contents. Mmh. Ouais, ça avance, les copains, ça avance. Ouais. Ça, c'est trop ça bien. Ça va pouvoir permettre à Jérémy de faire tout le côté mécanique, ouais, de finir voilà, les meubles, de finir temps, les petites bricoles et tout. Donc, c'est le 10, le 10. Et... Le 10, ça, voilà. Ça sera la sacrée fin, date, quoi. Le 10. Ça sera la fin de tout ça. Puis ça après, il y aura les petites dérogations. Une concrétisation. Une quoi énorme. Une quoi concrétisation. D'accord. C'est ça qu'on dit. Ouais. Ça sera la concrétisation de tous ces 6 mois de boulot, de toutes ces vidéos, de tout ce partage, de tout ce boulot, de toutes ces nuits qu'on n'a pas dormi. Mais c'est pas fini, mes petits bandits. De toutes ces litres de sueur. Parce que vous avez eu peur. Ah, oh, la saison 4, mais qu'est-ce que vous allez mais faire oui, de la chaîne vous YouTube avez été nombreux. Et la chaîne YouTube, mais c'est non. pas. On aménage un but. Elle ne s'arrête pas, la chaîne YouTube. Là, c'était juste les saisons. Pour vous expliquer comment aménager un bus en camping-car. Et si vous regardez bien, la chaîne YouTube ne s'appelle pas J'aménage un bus, elle s'appelle Les Evadrouilleurs Forever. Donc à la base, on va continuer à vous faire rêver. À la base, c'est une chaîne de voyage, de partage. On vous montrera nos spots, nos recettes, tout ça. On vous montrera tout notre quotidien, comme avant en fait, avant qu'on aménage Captain. Et là, on va pouvoir reprendre du poil de la bête, on va faire des bêtises. Oh, ça va il va bien. Pouvoir cuisiner un petit peu plus. Ouais, on va faire des conneries, on va rigoler là. Oh, là. Faire là, nos visites, nos voyages. Je suis en forme là, je le sens, je suis en forme. Car le prochain voyage, l'année prochaine, printemps-été, normalement, nous partons en Norvège. Voilà. J'allais dire au Maroc. On va avoir des cachalots. T'en as déjà un à côté de toi? Non, j'ai une baleine à côté de moi, c'est sûr. Les baleines, je sais ce que c'est, mais cachalot, j'en ai pas encore vu. Tu vas chercher. Oui, mais je voulais le dire avant que tu le dises. Tu es ma sirène. Ouais, moitié femme, moitié ton, c'est pas ça. Non, moitié femme, moitié ton rouge. Bon, bah ça marche. Allez, on vous tient au courant pour le reste. Et puis, le 10 septembre, date à moitié retirer. Moitié femme, moitié macro. N'importe quoi. Allez, on vous embrasse. Bonne journée. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Allez, c'est parti, nous on file. Ah oui, on va chercher les recules. Ouais, là c'est parti. Hein. Là c'est bien beau de rigoler, mais là. C'est bien d'être en amoureux quand même. Hein. On file au Mans, on va prendre peut-être l'autoroute ou pas. C'est génial. Pas. Oh, bon, ben voilà, on arrive. Hein. On arrive à Todd Chrono là au Mans. 11h15. Et on va aller voir pour les rotules. J'ai ramené la barre. Allez, la rotule, si j'ai tout dévissé hier. Il était minuit, j'avais oublié d'ailleurs. Ouais. Donc j'ai tout dévissé pour voir si ça s'emboîte bien dedans. Et affaire à suivre, on va vous faire voir si ça fonctionne. Notre petite théotte qu'on est allé chercher tout à l'heure. Voilà, barre de direction. Allez, c'est parti, on va voir. Tu voulais dire un truc? Bah, je voulais juste dire qu'en fait, la vie, elle est trop belle, quoi. pas vrai? Ouais, c'est clair. Allez, on va voir ça. Puis il fait beau, en plus. Allez, go. Alors, tu essayes? Je vais faire les ongles. Elles sont un peu plus longues. Ah non, c'est pareil. Voilà, vieille rotule. Vieille rotule, toute pourrie.
Ah ouais, putain. Ah ouais, bah là, ça c'est mort, c'est normal, hein. C'est logique. Et puis là, la nouvelle. C'est pas trop graissé, hein, t'as vu? Et ça, tu peux remettre ou pas? Non, bah, je pense que c'est prévu pour, je vais pas les retoucher là-dedans. Hein. Donc bah, c'est impeccable. Que t'as? Hein? Ouais, c'est pas ça. Du coup, t'as pris un jeu de chaque. Comme ça, t'es tranquille. On a pris droite-gauche et celle qui est bonne, je vais la garder quand même au cas où. Bon. Bon, nickel, on a nos petites rotules, on est super contents. Et là, en fait, il est 11h40. Et on est en célibataire. Non, c'est pas ça qu'on dit. On est en amoureux, ouais, tous les deux, ouais. Et on est en amoureux. Qu'est-ce que vous feriez à notre place? Eh ben, on vous laisse deviner. Et on vous dit à tout à l'heure pour le montage des rotules. Et on va aller voir si les gars, ils ont bien avancé. T'as vu la voiture électrique? Oh. Elle est moche. Pourquoi? À part la Tesla, pourquoi une voiture électrique? C'est forcément moche. J'sais on pas. Nous a dit c'est pour les reconnaître. Ah bah là on les reconnaît. Pour le coup ils sont reconnus. Non, la petite Zoé elle est pas moche. La Zoé, ouais, ça va. Pour le coup là ça va. Mais la plupart des voitures, mais elles sont dégueulasses. Ouais. Oh là là. C'est quoi ce truc? T'as vu, tu peux manger dans les carrioles là-bas? Ouais, j'ai vu ça ici là. On se fait ça? Franchement, on a c'est vu ça sur cool. La route, on a dit. Pendant que les autres ils travaillent, nous on mange. Ouais, mais bon, les amis, vous comprenez, on est en amoureux, c'est pas souvent. Donc on en profite. On est rentrés, regardez, ils ont rien foutu. On est partis toute la matinée, ils ont rien fait. Ça va pas aller, les gars. Ça va pas aller du tout. Hein? Oh, tu vas te calmer, toi. Eh oh, qu'est-ce qu'il y a, toi? Ils ont piqué les un problème? Ils ont rien fait, tes hommes, là. Les hommes. Ils ont rien fait, les hommes. Il a coupé trois planches, lui, là. Enfin bref, nous on a été chercher une hotte. C'est énorme déjà, énorme. Et là, faut faire un tronc dans le toit. Vous vous souvenez ce qui passe dans le toit? Est-ce que vous vous souvenez? Bah moi pas trop. C'est surtout l'endroit. Je sais qu'il y a des fils qui passent. Donc Jeff il arrête pas de me dire t'es sûr, t'as pas peur. Je dis ah la peur c'est bon, la peur si on a peur, si on fait rien. On n'en fait plus rien si on a trop peur. Hein? Je vais percer quand même et on va faire ça ensemble. Je vais faire un petit trou et on verra bien. C'est bon, le compteur est allumé, si ça disjoncte. Hein. C'est quoi cette blague? Il y en a de l'isolation de ce côté-là. Oh là là! J'ai pas trouvé le forêt, mais j'ai trouvé une petite cloche et la diaphine dira. On va dire, ah là là. Je serai ton gamin. Hein? Bon, elle a mis une baffe. Bah, du coup, j'y vais. Et là, petite galette. D'isolant. Toujours pas de fil, je continue. Ah, ça y est. Je touche au plafond. Oh, qui c'est qu'on voit? Bonjour les amis. Oh oh. Vous pouvez voir que le trou est très très bien aligné. Ouais, vachement. Oh là là, on a quoi? On a moins. J'ai deux doigts d'isolation. Regardez, n'empêche l'isolation comment ça a été partout. Regardez comment c'est compact. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos qu'on a fait avec Jeff quand on est en train de monter les panneaux solaires, ben vous regardez les vidéos. Et vous verrez que le toit il fait comme bruit. Et regardez maintenant. Hein, je t'ai fait voir ça tout à l'heure, Jeff. Hein, c'est vrai. Yes. Voilà, regardez maintenant. Vous pouvez marcher n'importe où. C'est un truc de dingue. Regardez. Avant ici, ça gondolait. Là, il n'y a pas de mousse. D'accord? Partout. Hein. C'est un truc de dingue. Fais pas trop le con quand même. C'est un truc de dingue. Regarde. Va doucement. La mousse, ça a apporté une rigidité. C'est un truc de dingue. C'est devenu aussi rigide que yo-yo.
Ouais. Franchement, regardez. C'est impressionnant. Hein, c'est impressionnant, Jeff. Franchement. Impressionnant. Oh, mais oh, c'est bon là. Voilà, on est super content de cette isolation. Je pense qu'il n'y a rien qui peut faire aussi bien, quoi, en fait. Hein, en termes d'efficacité, tu as vu ce que ça apporte en rigidité. Et là, je sais pas combien on a, mais on n'a pas loin de 10 cm sur les côtés. Hein. Hein, ah oui, tranquille. Et ouais. Regardez, on a un câble qui passe ici. Donc on lui a rien fait, on lui a pas fait bobo. Et c'est bien un câble. Ah oui. Et voilà, en même temps, c'est ça qui est bien et pas bien. Tu passes tout, mais quand tu veux faire le moindre trou, tu flippes. Et comme par hasard, tu fais un trou, faut qu'il y ait un câble. Mais c'est comme ça, tu peux avoir qu'un câble qui passe dans ton plafond. Tu fais un trou, tu es sûr que tu vas faire tes tuyaux. Hein ? Mais ouais. Les gens vont dire, oui, il faut tout repérer. Ouais, mais moi, je suis pas habitué à travailler. Moi, j'ai tout fait en apparent dans Flash. Parce que je trouve que c'est plus pratique. C'est peut-être un peu moins joli, mais c'est plus pratique. Vous voyez tous vos câbles. Bon, on se retrouve là. Il est tard, il est quelle heure là ? J'en sais rien du tout. Il est 21h. 21h. Donc à la fraîche, comme il fait chaud ici, c'est le sud. Hein. On a dit, tiens, on va faire les... Les rotules. Les rotules. Et en fait, les rotules, ben, veulent pas venir. Donc voilà, on va réessayer là. Monte tu veux dessus. Faire comme ça ? Ouais, monte dessus carrément. Pour pas qu'elle bouge. Eh ben dis donc. Vas-y. Ah mais c'est ça quand on fait 65 kilos aussi. Tu fais combien toi ? 63. 70. Ah 70, bien, bien. Monte dessus carrément avec les pieds. Ah tu vas me lever aussi hein. Oh là là. Attends, on va chauffer. Ouais. Va falloir hein. Bon, ça y arrive. Là, on va réussir à la bloquer. C'est là ? C'est quoi ce chien du pot de merde ? Non, pas avec ça. C'est un truc d'opérette ? C'est pour les guettes thermiques, ça. chalumeau. Ah, c'est un vrai chalumeau. C'est une bouteille de gaz. Ça brûle, ça, regarde. Ouais, mais c'est pour les guettes thermiques, ça. T'es sérieux, là ? Avec ton chalumeau. Sérieux, avec ton chalumeau. Ah ouais, mais les gars, vous êtes difficiles aussi. Non, ça chauffe vite. Ouh, c'est chaud. Ouh, c'est chaud. Là, j'aurais aimé le... Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. J'espère qu'on aura réussi à avoir les rotules. Affaire à suivre. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Et à bientôt.